Alors, on commence. Y'a que vous m'entendez? Est-ce que Madame. vous... Oui, maintenant on vous entend. D'accord. Alors, on commence. N'aoud koulch ta l'barh, n'aoud, je répète. Donc, on va voir l'extension de la mémoire. Donc, comme j'ai dit hier, l'extension, c'est-à-dire on va augmenter, c'est l'augmentation de ta mémoire. Pour réaliser des mémoires de grande capacité, on peut utiliser des mémoires de petite capacité et les connecter entre elles. C'est-à-dire, un des petites mémoires, je vais les connecter entre elles, les relier entre elles pour construire une grande, une mémoire de grande capacité. La mémoire, c'est-à-dire je vais relier des petites mémoires pour avoir une mémoire plus grande. Donc j'ai dit, il y a deux types d'extensions. Nous avons le premier type, c'est l'augmentation du nombre de mots mémoire. Avec la mémoire, les dernières à la fois, c'est le nombre, c'est-à-dire par exemple, la mémoire d'Yali fait 4 mots. Là, par exemple, on va connecter plusieurs mémoires. C'est-à-dire qu'on a deux cas. Mémoire de grande capacité. Donc ici, on va connecter plusieurs mémoires en parallèle. Wesh ma'naha parallèle, le montage, tkoun une mémoire tête l'autre, l'une après l'autre. C'est ça, en parallèle. Comment on va faire? En augmentant le bus d'adresse. C'est quoi le bus d'adresse? C'est le MAR. C'est le registre d'adresse. Donc, علاش j'augmente le registre d'adresse? Parce que huwa li yib'atni le mot mémoire. C'est-à-dire, on utilise avec le MAR ou le bus d'adresse pour accéder à la donnée la mémoire. C'est pour ça qu'on augmente le bus d'adresse. Donc, en augmentant le bus d'adresse, c'est augmenter le nombre de mots ou le nombre d'informations la mémoire. Ça, c'est pour le premier type d'extension. Nous avons le deuxième type. C'est quoi? C'est l'augmentation de la longueur du mot mémoire, c'est-à-dire la longueur de l'information. Par exemple, on a une information qui a 4 bits. Je veux augmenter la longueur d'elle, par exemple 8 bits, 16 bits, 32 bits. Donc, comment on va faire? On va connecter plusieurs mémoires, plusieurs petites mémoires en série, qui fâchent en série, c'est-à-dire l'une à côté de l'autre. Comment? En augmentant maintenant le bus de données. Ici, je vais augmenter le MBR, ou là, le registre de données, parce que huwa li tkoun fih la donnée. Donc, huwa qui va supporter la donnée. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions ou la mafhoum touche haja ici? Merci, madame. On continue. Donc, on va détailler chaque type. On va commencer par le premier type, c'est l'augmentation de l'espace d'adressage. Donc ici, on va augmenter le nombre de mots. Qui fâche? Il faut connecter plusieurs RAM en parallèle, comme j'ai dit. Donc, ndiro une RAM tête l'autre. Pour cela, il faut qu'ils aient le même, les mots aient la même longueur. C'est normal. Donc, c'est-à-dire le MBR d'Yelhom, c'est le même. Regardez ici. Pour réaliser une RAM 2 à la puissance m fois p, c'est-à-dire une grande RAM, en utilisant plusieurs petites RAM 2 à la puissance n fois p. Donc, chauffons-nous. Le p, c'est quoi le p? C'est la taille de le mot. La même longueur de le mot. Mouchno, 2 à la puissance m et 2 à la puissance n, c'est différent. Donc, toujours, la première partie, ça représente le nombre de mots. Et la deuxième partie, ça représente la taille des mots. Donc, ça, c'est les lignes de la mémoire. Et ça, c'est les colonnes. Si vous voulez, je reviens vers le schéma de la mémoire. Déjà comme l'exemple de la mémoire. Oui, madame. D'accord. La fois passée, c'était 8 fois 4. Hein. La fois passée, mais à la balise, je kiffe, je ne te mets pas les 4, on en colle comme 3. C'est 0, 1, 2, 3, c'est 4 bits. Donc, regardez ici. Ça, les lignes, ça représente les mots, le nombre de mots. Par exemple, ici, on dit 8 mots. Et les colonnes, c'est la taille
du mot. C'est la taille 4 bits. Donc, 2 à la puissance 3 ici, c'est le nombre de mots. Et 4 bits, c'est du mot. Donc, on regarde vers l'extension. Alors, 2 à la puissance m fois p en utilisant de petites rames 2 à la puissance n fois p, qu'est-ce qu'on doit déterminer? Il faut déterminer le nombre de rames. Le nombre de rames est égal à 2 à la puissance m moins n. Donc, m moins n. Il faut déterminer la taille telmar, c'est-à-dire le registre d'adresse bit. Toujours le registre d'adresse, c'est le n, c'est-à-dire tchedo, les petites rames. Mais tchedo, t'as le m. Toujours, vous prenez le n, t'as les petites rames. Et nous avons le MBR, il est de taille p-bit, c'est le registre de données, c'est-à-dire la donnée, la taille d'IELHA, c'est p, c'est le même, donc c'est p-bit. Et aussi, nous avons besoin des adresses complémentaires. Les adresses complémentaires, c'est toujours m moins 1. Donc, on va aller voir l'exemple. Donc, exemple 1, on va réaliser une rame 16 x 4 à l'aide de plusieurs petites rames 8 x 4. Donc, on a plusieurs petites rames 8 x 4. On va les mettre la taille 16 x 4. C'est-à-dire ici, je vais augmenter l'espace d'adressage. Donc, ici, qu'est-ce que 8, les petites rames. Jusqu'à 16. Donc, ici, qui dit qu'on a une question, réaliser une rame 16 x 4 à l'aide de petites rames 8 x 4, il faut examiner. Ou je m'en le cas d'augmentation d'espace d'adressage. C'est-à-dire, la première partie, elle est différente de la première partie. Et la deuxième, elle est égale à la deuxième. Donc, Agda, on va augmenter l'espace d'adressage. Donc, on va appliquer les règles. Il faut déterminer le nombre de rames. Le nombre de rames ici, c'est combien? C'est 16 divisé par 8. Ou là, qu'on a, c'est 2 à la puissance m moins n. Donc, le 16, c'est combien? C'est 2 à la puissance 4. Et le 8, c'est combien? C'est 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 4 moins 3, ça fait 2 à la puissance 1, ça fait 2. Donc, soit vous divisez la première partie sur la deuxième, ou là, 2 à la puissance m moins n. Ça, c'est pour le nombre de rames. On doit déterminer aussi le mar. Le mar, qu'on a, c'est n bits. Donc, c'est combien, à votre avis, le mar? Oui, n bits. Le n ici, c'est combien? 3 bits. Très bien. Donc, parce que ici, le 8, c'est 2 à la puissance 3. Donc, le n, c'est 3. Le MBR, c'est p bits. C'est 4. C'est le même. Et qu'on a les adresses complémentaires, c'est m moins n. Le m, c'est 4. Le n, c'est 3, donc m moins n, ça fait un bit d'adresse complémentaire. Donc, voilà, les données. Donc, on va dessiner le schéma. Madame, منين جبنا المار والام بي Le mar, c'est selon la règle. Regardez. Le mar, c'est n bit. Ou le MBR, c'est p bit. Yek. Le mar, le n bit, c'est quoi? C'est celui-là, c'est les petites rames. Donc, un chauffe-eau. Les petites rames, c'est quoi? C'est 8 fois 4. 8, c'est quoi? C'est 2 à la puissance 3. Donc, le mar est égal à 3. C'est le n. Et le MBR, c'est le p. C'est le 4. Femme? Oui. Très bien. Donc, Bon. on va faire le montage. Donc, on a besoin de deux rames. 8 fois 4. Première rame, deuxième rame, 8 fois 4. Toujours qu'on a pour les rames, on va utiliser la fonction ta lecture-écriture. Donc, Zido, la lecture et l'écriture. Est-ce que je vais faire une lecture ou là, une écriture? Qu'on a le mar. Le mar, ou le bus d'adresse. Le bus d'adresse, je fais ici, fait 3. Donc, je vais noter A0, 1, 1. À 2, donc on dit 3 bits. Aide les 3 bits. Washin donc je vais les connecter mal les deux rames. Pourquoi? Parce que la fois passée, quand j'ai expliqué le cours, on a aide les rames, aide les, pardon, aide les adresses, pour accéder
les données. Donc, je ne peux pas accéder à la donnée directement. Les adresses. Par exemple, l'adresse 001. Donc, la RAM, on utilise la donnée. Donc, ça, c'est pour le registre d'adresse. Maintenant, on dit l'adresse complémentaire. L'adresse complémentaire, il y a M-1, c'est un bit. Donc, je vais la rajouter aussi, Malmar, parce que c'est une adresse. Donc, l'adresse. C'est pour l'activation de les RAM, c'est-à-dire qu'il fait les RAM. Donc ici, je vais relier avec l'A3, l'adresse, avec les deux RAM. Donc je vais dire, si A3 est égal à 0, c'est la première RAM qui va travailler, chip select 0, parce qu'ici, j'ai rajouté une négation. Si A3 est égal à 1, donc c'est celle-là qui va travailler, chip select 1. Donc, le signe de négation, donc, c'est comme vous voulez, soit le fort, soit le tehta, c'est comme vous voulez. Donc, ça, c'est pour l'adresse complémentaire. Maintenant, le MBR. Le MBR, il est de 4 bits. Donc, c'est le bus de données. B0, B1, B2, B3. Donc, 4 bits, il est relié avec les deux rangs. S'il vous plaît, coupez les micros. Donc, ça, c'est le bus d'adresse. Donc, l'augmentation de l'espace d'adressage qui fait SRAT. Donc, on a chauffé les petites RAM, le mardi, 3. Donc, on a utilisé l'adresse complémentaire ou la 4. Donc, ici, j'ai augmenté l'espace d'adressage. Millican 3 ou la 4. Et effectivement, la RAM, la grande RAM, l'espace d'Almar, c'est combien? 2 à la puissance 4, c'est 4. Donc, effectivement, on a augmenté. Millican 2 à la puissance 3, c'est-à-dire le Markan 3. Rajana 4 ici, 16 ou la 2 à la puissance 4. Donc, Rajana 4. Et comme ça, on a augmenté l'espace d'adressage. Qui n'a pas compris? Est-ce qu'il y a des questions? أضم أدرس كيف لقينا واحد؟ D'accord, donc on va nous avec les questions. Je n'ai pas compris le chip select. L'adresse complémentaire. Allez, واحد. Oui. Parce que l'adresse complémentaire, selon la règle ici, c'est quoi? C'est M-N. D'accord? Le M, c'est combien ici? Le M, c'est combien? 4. 4. Et le N? 3. Donc 4 moins 3, ça fait 1. Voilà. D'accord? L'IMFM chip select. On a l'adresse complémentaire. On va l'utiliser pour activer les mémoires. On a la fois passée, chip select, c'est pour l'activation. C'est-à-dire la RAM, soit TRDEM ou la MATRDEM. Donc on va utiliser le bit A3. Pour activer ou la désactiver. لازم وحده فيهم تخدم. كي يكونوا هكذا تحت بال معناها وحده برك راح تخدم ما يقدروش يخدموا كيف كيف. Donc, باش نخدم وحده برك. Donc ici, j'utilise la négation. Et je vais dire si A3 est égal à 0. Donc, كي يجوز هنا على النégation 0 يولي 1. Donc, on va dire chip select, c'est celle-là qui va travailler. C'est celle-là qui va être activée. A3 qui compte 0, donc A3 est 0. Et l'inverse, si A3 est égal à 1, qui joue à la négation, ou les 0, donc A3 est désactivée. A3 est égal à 1, qui joue maintenant, donc celle-là, elle va travailler, elle va être activée. Donc c'est ça le concept de chip select. On va voir un autre exemple. On va réaliser une RAM 1 kg fois 8 à partir d'une RAM 512 fois 8. Comme le barre, 1 kg, c'est 2 à la puissance 10. Ou 512, shell. 2 à la puissance, combien? 9. 9, voilà. Donc, on va diviser, pour déterminer le nombre de RAM, on va diviser 2 à la puissance 10. Divisé par 2 à la puissance 9. Donc,
2 à la puissance 10 moins 9, ça fait 1. Donc, ici, je vais utiliser 2 RAM. Il faut aussi vérifier, voilà, comme là, comme le cas, Tahadi, la première est différente de la première. La deuxième, Rahi, qui m'a la deuxième? 8 est égal à 8. Donc, ici, je vais utiliser les RAM en parallèle. Après, le mar, la taille du mar. 9. Chal? 9, très bien, c'est n bits. Et la taille du MBR? 8. 8, c'est le P. Très bien. Les adresses complémentaires, combien j'ai d'adresses complémentaires? Une adresse complémentaire, 10 moins 9. M moins n, ça fait 10 moins 9 est égal à 1 bit. Maintenant, on va faire le montage des RAM. Donc, on a besoin de deux RAM en parallèle, l'une après l'autre. On a le mar, puis 9 bits. Donc, je vais utiliser de A0 jusqu'à A8. Donc, ici, on dit 9 bits. Et on a dit, Andna, bon, je vais relier les RAM, donc pour l'accès. Ou Andna, le MBR. Le MBR fait 8 bits. Donc, la notation B0 jusqu'à B7. Wesh yibqa? Les adresses complémentaires. Les adresses complémentaires, on dit 1 bit. Les adresses complémentaires. Kif kima l'autre exemple. Donc, je vais utiliser la négation. Donc, si A9 est égal à 0, chip select, hadali sinon, c'est celui-là. Le chip select, tu peux le chip select 0, 1 ou la 1, 2, c'est comme vous voulez la notation. Mais, ou chnouf, le mar ou le MBR, toujours, vous devez commencer la notation par le 0. A0 jusqu'à A8 et ici B0 jusqu'à B7. Il faut pas oublier toujours les schémas d'IELCOM, le RW, read-write. Maintenant, ça va. Hadawa, le montage d'IELCOM. Qui n'a pas compris ici quelque chose? Oui, des questions? 2 puissance 10, c'est 1 kilo. Oui. 2 à la puissance, l'imafhamshmininjet, 2 à la puissance 10. 2 à la puissance 10, c'est 1 kilo. C'est celui-là, 1 kilo. Lazmnerjoha, 2 à la puissance, bachtrodotrodmo, le nombre de RAM. 512, c'est 2 à la puissance 9. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, on passe. Bon, je vais faire un autre exemple, c'est le dernier. On va réaliser une RAM 1 kilo fois 8 à partir de plusieurs RAM 256 fois 8. Donc, kif kif, ici, on est sur l'espace d'adressage parce que la première partie est différente de la première partie. Donc, 1 kilo, c'est 2 à la puissance 10 et 256, c'est combien en puissance de 2? Huit. Très bien, 8. Donc, on va diviser 2 à la puissance 10 par 2 à la puissance 8. Donc, 10 moins 8, ça fait 2. Donc, 2 à la puissance 2. Ici, on va utiliser 4 RAM en parallèle. Le mar. 8. 8, c'est n bits. Le MBR. Huit. Oui. Adresse complémentaire. Très bien. Alors, on va faire le montage. Voilà. Donc, on dit 4 RAM en parallèle. Première RAM, deuxième, troisième et quatrième RAM. On a le mar, fait 8 bits. Donc, je vais faire de A0 jusqu'à A7. Et on a besoin des adresses complémentaires 2 bits. Donc, ici, dire A8, A9. Ça, c'est pour le mar. Le MBR fait 8 bits. Donc, je vais dessiner le MBR de B0 jusqu'à B7 et je vais regarder le relier avec toutes les RAM. Kif kif pour le mar. Il est en gras. Je vais le relier avec toutes les RAM. Maintenant, il prali qui fait n'activer les mémoires. Donc ici, m'indiche un seul bit. Donc ici, je ne peux pas appliquer la négation. Andy, 2 bits. Donc, automatiquement, je dois utiliser un décodeur. Donc ici, le décodeur,
عندي deux bits. Donc les entrées ديالو c'est 2. La sortie c'est 2 à la puissance 2, 4. Donc عندي 4 sorties du décodeur. Donc chaque sortie, donc elle va activer une RAM. Donc par exemple, la première ligne du décodeur c'est 0000 va activer la première RAM. J'ai écrit ici chip select 1. 01, elle va activer la deuxième RAM. 10, elle va activer la troisième RAM. Et 11, ça va activer la quatrième RAM. Par exemple, là, on appelle comme ici A8, A9 est égal à 10. Et 10, c'est quelle RAM? C'est quelle RAM qui va travailler fait 10? La troisième. Combien? Voilà, la troisième. Donc 00, non. 01, 10, c'est celle-là. Rahi en gras, rahi colorée en gris. C'est celle-là qui va être activée, oui? Non, ma je c'est des calculs, c'est des calculs. Tsma lo kan عندك وحده يخرجوا لك 2 رام، لو كان عندك زوج يخرجوا لك 4، داكور؟ Mais on peut tomber dans le cas où il y a 2 RAM, بصح عندي 2 bits. Donc on va utiliser que la première sortie et la deuxième. هادو يروحوا، داكور؟ Donc on va voir, c'est un exercice pour t'aider. Donc, خلاص, واش بقالنا ما نساوش toujours le RW, il faut le relier avec les 4 RAM. Toujours, لازم ما تنساوش le RW. Donc, خلاص, on a terminé avec l'augmentation de l'espace d'adressage. Toujours, شوفوا هنا, كان 256, رجعتهم 1 كيلو. Ici, le mar, راهو كان 8, طلعته jusqu'à 10. Donc, c'est ça l'augmentation de l'espace d'adressage. Est-ce qu'il y a des questions ici? باش ندوز للدوزيام تيب دادريساج. Pourquoi on utilise le décodeur؟ ها قلنا décodeur ici. Je peux pas. عندي ici un bit. في البيت نقدر ندير la négation. Par contre ici, عندي A8, A9, عندي 2 bits. ما نقدرش ندير la négation. Donc on est obligé de faire un décodeur pour faire l'activation تاع لي رام. دونك لو كان نستعمل لا نيغاسيون راح تخرج لي كو دو سورتي كيما هنا. دونك عندي اون سول اي دو سورتي. دونك ايسي عندي 4 رام. دونك ما نقدرش افيك دو سورتي كيفاش راح ناكتيفي لي رام. دونك ايسي جو سوي اوبليجي دوتيليزي لو ديكودور باسكو لو ديكودور هو عنده 4 سورتي. دونك شاك سورتي فا اكتيفي اون رام. سا سي بور لا كيستيون تاع ديكودور. جيسبر فهمتي. Zakaria, j'ai pas compris le MAR et le MBR et PBIT. Zakaria, si tu peux me répondre, où je me fais exactement le MAR, MBR et PBIT. J'ai pas compris. Pas compris. J'ai pas bien compris ta question. ننجمنا بيبيت PBIT. D'accord. وي نعاود نرجع par définition. شوف هنا. Le MBR, le MAR, toujours c'est un bit. Et le MBR, c'est toujours P bit. Mnin jibna, عندنا la RAM kbira. C'est 2 à la puissance M fois P. Donc ça c'est P. Ça c'est P. Ou les petites RAM, c'est 2 à la puissance N. Donc ça c'est N. N'aoud n'a avec l'exemple. Koufena. 2 à la puissance 10. Ça c'est le M. Et 2 à la puissance 8, c'est le n. Donc, ça, c'est 2 à la puissance 10 fois 8. Et ça, c'est 2 à la puissance 8 fois 8. Donc, on sort le n, les petites RAM. 256 fois 8. Ou le p, rahoul 8. Toujours, c'est la deuxième partie. Femt, Zakaria? Oui, merci. Allez, on passe vers l'augmentation de la longueur du mot. On a la longueur du mot, c'est-à-dire la taille تاع le mot. Par exemple, on dit un mot de 4 bits, on va 8, 16, ça dépend. Qu'est-ce qu'on dit? Ici, on va augmenter la longueur du mot d'un mot mémoire. Il faut connecter plusieurs boîtiers. Qui sera au boîtier RAM? En série. En série, je vais mettre
chacun à côté de l'autre. Mais chez qui m'a l'espace d'adressage, on a mis l'une tête l'autre. Non, ici, on va mettre l'une à côté de l'autre. Vous allez comprendre pourquoi. Pour cela, il faut le même nombre de mots. C'est-à-dire, regardez, pour réaliser une rame, une grande rame, 2 à la puissance n fois p, à l'aide de plusieurs rames, 2 à la puissance n fois q. Je trouve là, 2 à la puissance n, 2 à la puissance n. Donc, là, on a le même nombre de mots, on a le même nombre de lignes. Mais par contre, la taille des mots ici, elle est différente. On a p ou on a q. Donc, qui fait une charge ou là, qui fait une dire l'augmentation, kif kif. Donc, on dit des règles. Il faut définir le nombre de rames. Le nombre de rames, c'est toujours, vous allez diviser P sur Q. Le mar, la taille d'yellow, c'est N bits. On dit un seul mar ici. Mais chez qui m'a tout à l'heure, on a le N ou on dit le M ou le N. Ici, c'est le même, c'est N. Il faut définir le nombre de MBR. Donc ici, comme on va augmenter la longueur du mot, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? Je dois augmenter la taille tel MBR. Donc ici, l'esmini P divisé par Q MBR de qubits. Dire l'exemple, je te fais les chiffres, les lettres, peut-être c'est difficile. Donc, chauffons-les. Réaliser une rame 8 x 16 à l'aide de plusieurs rames 8 x 4. Toujours, il faut vérifier. Wushmenti prani. Chauffe ici 8, 8, kif kif. Ici 16, 4. Donc ici, la taille du mot, elle est différente. Donc ici, on va augmenter la longueur du mot. Première étape, le nombre de rames nécessaires. Wushkona. C'est P divisé par Q, 16 divisé par 4. Donc ici, nous avons besoin de 4 rames en série. La taille du mar, c'est combien? C'est 3 bits. Pourquoi? Parce que le 8, le premier 8, c'est 2 à la puissance 3. Donc là, le mar est toujours 3, c'est le n. Et on a besoin de P divisé par Q. MBR de taille Q. P divisé par Q. 16 divisé sur 4, ça fait 4. Donc, on a besoin de 4 MBR. Mais chi wahed. Tout à l'heure, Kunanorsmo fait un seul MBR. Ici, on a besoin de 4 MBR. Et chaque MBR, il est de taille Q. Shkun hiya le Q, c'est ça. Le Q, c'est 4. Donc, c'est 4 bits. Ben, chufu hadi taille 16. Donc, naawed. On a besoin de P divisé par Q, 16 divisé par 4. On a besoin de 4 MBR. Chaque MBR, il est de taille Q. Le Q, c'est le 4, 4 bits. Dirou le montage. Donc, les 4 rames en série, c'est-à-dire l'une après l'autre, à côté de l'autre, pardon. 1, 2, 3, 4. Le mardi, elle n'a قبل لهنا نديرو ال ار دبليو باش ما نساوهش ومن بعد نديرو المار المار ديالنا لا طاي ديالو كومبيان 3 بيت دونك ا 0 ا 1 ا 2 هاد لو مار اي لي ريليي ا توت لي رام سي بور فير لاكسي لي دوني ميتنون يبقى لو ام بي ار دونك كيس كون ا دي اون ا دي نسحق 4 ام بي ار سي تادير شاك رام عندها 100 MBR. Regardez, كل رام عندها 100 MBR. C'est pour ça on a dit on a besoin de P divisé par Q MBR. Et la taille de chaque MBR, c'est 4 bits. Donc la première rame B0 jusqu'à B3, B4 jusqu'à B7, B8 jusqu'à B11, B12 jusqu'à B15. Donc chaque MBR عنده 4 bits. Ici, j'ai écrit taille 16. Donc, la taille totale du MBR, c'est combien? De B0 jusqu'à B15, on dit 16 bits. C'est pour ça, ici, j'ai écrit la taille du MBR, elle est 16. Ou chno برك راهو مقسوم. كل رام عطينا لها une partie من MBR باش تستعملها. Donc, وين راهي l'augmentation ici, la taille du mot? شوفوا هنا. La taille du mot, كانت 4, رجعناها 16. Donc, ici. Voilà, on a jusqu'à 16
ام بي ار، الام بي ار كان 4 ولا 16. ماتنو واش بقى لنا؟ بقى لنا تشيب سيليكت، كيفاش يخدموا هاد لي ميموار. دونك ici تشيب سيليكت عندهم لو ميم تشيب سيليكت. بوركوا عندهم لو ميم تشيب سيليكت؟ دونك ici quand chip select est égal à 1, les RAM vont travailler. Quand chip select est égal à 0, donc les RAM sont désactivés. Et علاش؟ Parce que راهم en série. هادي واش معناها en série؟ C'est-à-dire رايحين يخدموا كيف كيف. Ils vont travailler ensemble. C'est pour ça عندهم le même chip select. Qui n'a pas compris ici? Il a des questions et on va passer vers un autre exemple. Vous êtes là? Oui, madame. D'accord. Classe Fermine, Femto? Pas de questions? D'accord, il n'y a pas de questions. Non. On va passer vers un autre exemple. On va réaliser une RAM 1 kg x 8 à partir de plusieurs RAM 1 kg x 4. On vérifie واش من كاراني ici 1 kilo 1 kilo kif kif 8 est différent de 4. Donc راني في l'augmentation de la longueur du mot. Donc كولوليس combien de RAM ici نستعمل؟ 2 RAM parce que 8 divisé sur 4 ça fait 2 RAM. Le mar ici combien? Le mar 10. 10, très bien. Parce que 1 kg, c'est 2 à la puissance 10. Donc, le N, c'est 10. Alors, شحال نسحق من MBR ici. Le nombre de MBR. 2 MBR de taille. Très bien. Nous avons besoin de 2 MBR chacun et de 4 bits. La taille totale, c'est 4 fois 2, ça fait 8 bits. Donc, on va faire le montage. Maintenant, on a besoin de 2 RAM en série. Voilà, Hamli comme les 2 RAM en série. Après, le MAR fait 10 bits de A0 jusqu'à A9. Donc, on va le relier à chaque RAM pour l'accès les informations. Et on a besoin de 2 MBR, couloir fait 4 bits. Donc, premier de B0 jusqu'à B3 et le deuxième de B4 jusqu'à B7. Donc ici, la taille totale d'IELO, 8 bits. Mais B0 à B7. Tout le RAM a un MBR de 4 bits. Qu'est-ce que c'est? Mais le RW, les amis dire le RW. Les amis l'activation de chip select, c'est le même chip select. On a donné le montage. C'est clair? Pas de question? Il n'y a pas clair, de question. Très bien. Classe. Donc, maintenant, avec l'augmentation de l'espace d'adressage et l'espace ou la longueur du mot. Quel est un autre type, un troisième type? C'est l'augmentation de l'espace d'adressage et la longueur du mot. C'est-à-dire, on va faire les deux en même temps. On tire sur le mar ou on tire sur le MBR. On peut dire les deux en même temps. Qu'est-ce qu'on dira les étapes? Donc, pour la réalisation d'une RAM 2 à la puissance M fois P à l'aide de plusieurs RAM 2 à la puissance N fois Q. Chauffe. Ici, le nombre de mots, c'est 2 à la puissance M. Et ici, c'est 2 à la puissance N. Donc, la première partie, elle est différente de la première partie. Et la taille du mot ici, P, et la taille du mot ici, c'est Q. Donc, P est différent de Q. Donc, ici, كل شرح différent. Donc, on a directement كي تشوفوا هكذا. C'est l'augmentation de l'MBR ou le MAR en même temps. Les étapes, c'est qu'on va mixer, on va mettre les étapes de l'espace d'adressage et on va mettre les étapes de la longueur du mot. On va tout en même temps. Alors, le nombre total de les RAM ici, de les petites RAM, c'est combien? C'est 2 à la puissance M moins N. C'est 2 à la puissance m moins 1. En parallèle, composez chacune de p divisé par q en série. Mettre le coche, donc on dirait l'exemple, je te fais mouche manaha, 2 à la puissance m en parallèle, kulwahda fiha p divisé sur q en série. Tout de suite, donc on chauffera l'exemple. Alors, le mar ici, c'est n bits, toujours.
n bits. Les adresses complémentaires, c'est m-n, ça c'est pour l'espace d'adressage. Et la longueur du mot, on a p divisé par q mbr, là je vais déterminer le nombre de mbr, il est de qubits. Donc, on a mis tout dans la partie. Nous allons faire l'exemple. Réaliser une rame 1 kg x 8 à partir de plusieurs rames 256 x 4. Qui maintenant, il faut vérifier ici 1 kg, 256, 8, 4. Donc, augmentation MAR et MBR en même temps. Les étapes, donc 1 kg, c'est 2 à la puissance 10. Donc, le M, c'est 10. Le P ici, c'est 8. 256, c'est 2 à la puissance 8. Donc, le N est égal à 8. Et le Q est égal à 4. Donc, on a les données. Nous avons le nombre de rames. Le nombre de rames, c'est 2 à la puissance M moins N. 2 à la puissance M, c'est 10. Le N, c'est 8. Donc, on a besoin de 2 à la puissance 2, c'est-à-dire 4 rames en parallèle. Composer chacune de P divisé par Q. P divisé par Q, c'est 8 divisé par 4, 2 en série. Donc, on chauffe qu'il fait une on fait le montage. Le MAR, c'est N bits. N bits ici, c'est 8 bits. Les adresses complémentaires, c'est M-N. Voilà, les adresses complémentaires M-N, c'est 2 bits adresse complémentaire. Et le nombre de MBR, c'est quoi? C'est P divisé par Q. 8 divisé par 4, ça fait on a besoin de 2 MBR. Chaque MBR, il est de taille 4 bits. Nous allons faire le montage. Donc, on a besoin de 4 rames en parallèle. Et chacune, elle est composée de 2 en série. Chauffe. On dit 4 rames en parallèle. La première, deuxième, troisième, quatrième. On dit 4 rames en parallèle. C'est-à-dire, تحتبعد. Où chaque rame, كل واحدة, elle est composée de 2 en série. 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est-à-dire 2 rames en série, 2 rames en série, 2 rames en série et 2 rames en série. Donc, on a 2 à la puissance m moins n en parallèle. Chacune, elle est composée de p divisé par q en série. Hagda, trjo, déroule le montage. Ça, c'est pour le nombre de rames. Maintenant, le MAR. Le MAR, il est de taille 8, A0 jusqu'à A7. Donc, on va, le relier à toutes les rames. Donc, le MAR, il est relié à toutes les rames pour accéder les données. Le MBR, on a besoin de 2 MBR. Chaque MBR, il est composé de 4 bits. Donc, head le MBR de B0 jusqu'à B4, donc il s'accroche head les 4 rames. Donc on va le relier avec les 4 rames. Ou head le MBR B4, B7, il s'accroche head les rames. Donc ça c'est pour le MBR. Maintenant, on a le MAR, les adresses complémentaires. On a besoin de 2 adresses complémentaires, A8, A9. Donc comme on dit, 2 adresses complémentaires, donc automatiquement ici, je vais faire un décodeur. Décodeur, c'est 2 fois 4, donc un de 4 sorties. Donc ça, c'est pour l'activation. Qui fait que je vais activer les mémoires? On a les deux, les en série, il y a qui fait kif kif. Et ici, il y a qui fait. Donc qui fait? Donc je vais faire la première ligne du décodeur. Elle va activer la première RAM ou t'activer la RAM en série en même temps. C'est-à-dire, هادو راحين يخدموا كيف كيف. Donc, si A8, A9 est égal à 0, 0, شكون اللي راحين يخدموا, c'est هادو في زوج. Si, la deuxième ligne, si A8, A9 est égal à 0, 1, شكون يخدم, تخدم هادي, chip select 2, chip select 2. Donc, ils vont travailler en même temps. Sinon, si A8, A9 est égal à 10, donc on va activer les deux rames, Hedo, Mahabad. Si A8, A9 est égal à 11, donc la dernière ligne, on va faire travailler Hed les deux en même temps. Ou même le RW, la lecture et
L'écriture. Qui n'a pas compris? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Ania, est-ce que je répète le tout ou attendez une partie d'Inaoudha, s'il te plaît? L'exemple. Vous êtes là? Coupa. Oui, madame. Et maintenant, vous m'entendez? Oui, ma... Classe. Aoud l'exemple, c'est ça. Aoudo. Êtes là? De 4 rames en parallèle. Une rame, rame 3 et 4 en parallèle. Alors, on tahte ba'd. Hado ma'naha en parallèle. Et chaque rame, elle est composée de deux en série. C'est-à-dire, nahtaj zouj en série. Une, deux. Une, deux. Une, deux et une, deux. Donc, hado deux en série. Deux en série. Deux en série et deux en série. Pour le mar, il est composé de A0 jusqu'à A7. C'est-à-dire 8 bits. Donc, je dois le connecter à toutes les rames. Pourquoi? Parce que bilmar les adresses hadou accéder les informations. Après, nous avons le MBR. Nous avons deux MBR. Deux MBR de taille 4. Donc, B0 jusqu'à B3, je vais relier le les 4. B4 jusqu'à B7, je vais le relier avec les 4. Après, on a besoin des adresses. Pour la création. Les rames.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, exactement. C'était Salat al-Jazair. Alors. وين لحقنا؟ نزيد نعاود ليكزامبل. Oui, madame. Alors, je répète, on a besoin de 4 rames en parallèle. Une, pardon. On a besoin de 4 rames en parallèle. Une rame, deux rames, trois rames et quatre rames. Chaque rame, elle est composée de deux en série. C'est-à-dire, chaque rame, donc, on a deux. Une, deux. Une, deux. Une, deux et une, deux. Donc, on dit quatre rames en parallèle. كل وحدة فيها زوج أون سيري. أكو تسمعوا فيا؟ Oui, madame. وي باسكو على شاك فوا نلقى روحي نهدر وحدي. داكوغ. دونك قلنا لازمني أن مار دو 8 بيت. جو في لو كونيكتي أ توت لي رام. بوركوا؟ باسكو بيه هو لي ناكسيدي لي زانفورماسيون. جي بوزوان دو أن بي آر. دو دو أن بي آر. بي زيرو جوسكا بي 3 و بي 4 جوسكا بي 7. Donc, le MBR, je vais le connecter avec les quatre. Ou le kif kif avec les quatre. Vous êtes là? Oui, madame. D'accord. Après, nous avons deux bits d'adresse à 8 à 9. Donc, ici, maintenant, nous avons la négation. Automatiquement, nous avons un décode de deux entrées et une sortie. La première sortie, elle va activer les deux rames en même temps. En même temps. La deuxième sortie, elle va activer les deux en même temps. La troisième, elle va activer les deux en même temps. Et la quatrième, kif kif, elle va activer en même temps. Si je vous pose la question, comme A8, A9 est égal à 10, je connais les rames qui vont activer. Oui? Zéro? Je vous donne à 8, à 9 est égal à 10. 10, troisième. Voilà. Troisième. C'est chip select 3. C'est les deux rames qui sont en train de faire. C'est désactivé. C'est le principe. Il ne faut pas oublier le read-write. Le read-write pour toutes les rames. Chaque rame doit avoir un read-write. C'est clair? Que c'est clair? Oui. Madame. Vous êtes là? Vous m'entendez? Oui. Ça s'est coupé. Et il y a une partie. Il y a une partie. Donc, il y a la ROM ou la ROM? La ROM est la classe.
parents وخلاص. نشوف لو سون سا باس با. Ça passe, vous m'entendez? Sinon, nous allons nous mettre la 4G. Rani bel wifi, c'est un peu de la 4G. D'accord, nous allons nous mettre la 4G. Allez. Les mémoires mortes, donc à classe que maintenant avec les RAM, donc on retrouve les ROM, les mémoires mortes. Le ROM, c'est. Madame l'écran. Eh, le partage. Parce que la connexion, donc je répète. Je le partage. Avec la connexion. Ça passe pas. Kif kif. Sinon, je déconnecte, on va me connecter. Une minute. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Maintenant, D'accord. oui, madame. Grâce, je le partage. Oui, madame. Allez, on commence. Alors, j'ai dit, on va faire les mémoires mortes, les ROM. Wesh ma'naha le ROM? Le ROM, c'est Read Only Memory. Wesh ma'naha Read Only Memory? C'est une mémoire permanente, non volatile et en lecture seule, contrairement à la RAM. C'est-à-dire, la mémoire, elle dit le ROM, c'est une mémoire permanente, non volatile. Ma'naha, elle conserve les données, quelles que soient. Qui roche l'électricité, donc elle va garder ses informations. Elle ne perd pas les informations. Elle est pour non volatile. Et en lecture seule, c'est-à-dire, je peux effectuer à la RAM que la lecture. Mais chez qui m'a la RAM? La RAM, qu'on a dit, lecture, écriture. Par contre, la RAM, nous pouvons dire à l'IA que la lecture. Y'a que vous êtes là. Vous m'entendez? Oui, madame. D'accord. Alors, ce type de mémoire est utilisé pour conserver des informations qui ne s'effacent jamais, qui marquent le compte. Donc, elle conserve les données même s'il n'y a plus de mise sous tension, c'est-à-dire même qui met l'électricité. Donc, elle va garder les informations concernant la RAM. Maintenant, la RAM est réalisée à partir de diodes munies de petits fusibles. Lorsque le fusible est intact, la diode laisse passer le courant. Chauffe l'image. Juste comme l'image, yak. Oui, madame. D'accord. Maintenant, hado les diodes. Il y a la ROM, elle est composée de hado les diodes. Lorsque le courant passe, le diode, معناها راهو مليح la diode ديالنا راهي مليحة ماشي فاسدة. C'est-à-dire, on va mettre un. Lorsque on claque le fusible, c'est-à-dire yifsed, donc le courant ne passe pas, donc on va dire c'est un zéro. C'est le principe de la RAM. Quand le courant passe, on dit un, quand le courant ne passe pas, j'ai un zéro.
Il existe plusieurs types de ROM. Mais maintenant, on va s'intéresser qu'à le type, c'est la ROM classique. Donc, la ROM classique, c'est quoi? L'information est enregistrée de manière irréversible, maintenant définitive. Donc, l'information qui entre dans la ROM matroche lors de la fabrication. C'est-à-dire qu'il entre la ROM, donc qui entre les informations, donc elle ne perd jamais ses informations. Le principe de réalisation, c'est le réseau de diodes, c'est-à-dire elle est composée d'un ensemble de diodes. Quand le courant passe, maintenant on dit 1, quand le courant ne passe pas, c'est un 0. C'est clair? Vous êtes là? Oui, madame. D'accord. Alors, on va voir un exemple de ROM. La ROM, elle a une ROM 4 fois 3. C'est exactement le même principe que la RAM. Là, ici, le 4, il représente les lignes dans les mémoires, c'est le nombre de mots mémoire. Et le 3, il représente les colonnes, c'est-à-dire c'est la taille dans les mots mémoire. Regardez ici, ça, c'est une mémoire. Elle est composée de combien de mots? Elle est composée de 4 mots, 0,11, 101, 0,01 et 0,10. C'est ça la première partie 4. Ou 3, c'est la taille, un, 2, 3 bits. Et donc, chaque ligne dans la mémoire, elle est numérotée, 0,0, 0,1, 10, 11. Donc, ça, c'est quoi? C'est les adresses, c'est le mar. Donc, quand je vous dis, par exemple, l'information à l'adresse 10, c'est 0,01. Donc, ça, c'est les adresses. Donc, comment je vais représenter head les données en utilisant une ROM? Chauffe-eau. Donc, ici, les adresses sont composées de 2 bits. 0, 0, 0, 1, 10, 11. Donc, des 2 bits. Donc, je vais les noter A0, A1. Donc, comme on dit ici 2 bits, donc on va automatiquement utiliser un décodeur 2 fois 4. Allez, le décodeur, toujours, il y a le mar. Il est relié à un décodeur. Décoder l'information. Donc ici, on dit 4 lignes. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais dessiner 4 lignes. Je dit une colonne, on dit 3. Donc, je vais dessiner 3 colonnes. Après, when on dit 0, le courant ne passe pas. When on dit 1, le courant passe. Donc, quand le courant passe, je vais faire head le signe. Head le signe, c'est le signe ta diode. Diode. Donc, le courant passe. Donc, ici, on dit 1. Le courant passe. When on dit 1. Ici, un autre 1. Ici aussi. Et l'ouest. Les cases, les vides, le courant ne passe pas. Les cases, les fumes diode, le courant passe. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui? Oui, Très madame. bien. Maintenant, donc, on dira un exemple. Par exemple, on dira l'exemple, kif, les amis, un chip select pour activer. Lorsque chip select est égal à 0, maintenant, la ROM t'khdemch. Lorsque chip select est égal à 1, maintenant, la ROM t'khdem. Maintenant, l'exemple. On va prendre A0, A1 est égal à 0, 0. Donc, je connais l'information qui va être sélectionnée à l'adresse 0, 0. Oui. 0 de Voilà. Donc, à l'adresse 0, 0, je vais sélectionner l'information 0, 1, 1. Donc, comme on a la ROM, je vais dire biha. Rani nkhdem biha ghir la lecture. Mais n'ktibch f la ROM. Donc, je vais dire. Donc, ici, l'information est 0, 1, 1. Je vais dire, raïha djouz directement f l'MBR. Donc, la ROM. Donc, juice directement full MBR. Donc, MBR, il est composé de 3 bits, B0, B1, B2. Donc, elle va être placée full MBR. Ou bien, le MBR, elle directement vers le processeur. C'est clair? Qui n'a pas compris ici? D'accord, c'est pas. Donc, si par exemple, on va prendre l'adresse A0, A1 est égal à 00. Il y a la ligne qui va être sélectionnée. C'est la première ligne. Pourquoi? Parce que les adresses ici 00, ça correspond à 011. Lequel, par exemple, n'a peut-être comme 10.
شكون هي كي فا اتر سيليكسيوني؟ سي 001 سي لا ترويزيام ليني سي سالا فيد معناها 00 وين وين عندي ديوت سي 1 دونك 001 دونك ici انا je vais sélectionner la première ligne parce que l'adresse c'est 00 donc comme j'ai dit la ROM نستعملها que pour la lecture ما نديرش l'écriture donc on va prendre de l'information 0 1 1 وين نديرها je vais la placer vers le MBR pour la lecture باش تروح باش نقراها d'accord pour faire la lecture ماشي كيما في الروم درنا لي زالي دو روتور نقدر نقرا ونقدر نكتب دونك ici non في الروم نقرا برك c'est-à-dire نجبد l'information en utilisant l'adresse et je vais la placer في l'MBR pour faire la lecture uniquement est-ce que c'est clair très bien il n'y a pas de questions في chat c'est bon ma cache on passe شوفوا هنا سي ان اكزومبل دو رام 4 x 4 دونك عندنا لا طابل ici des données ça c'est les données toujours باش ترسموا لو شيما دو رام لازم ديتيرميني لي ادريس ici عندي 00 01 10 11 دونك ici عندي pardon deux adresses A1 et A0 on a besoin d'un décodeur 2 x 4 2 x 4 معناها عندي 4 ليني سي كيما طابلو كاتليني وهنا شحال عندي من بيت في لا دوني عندي لي كولون عندي 4 كولون دونك جو في ديسيني لي 4 كولون هاد لو سيني هادو اللي تشوفوا فيهم هنا تاع الدار تاع بكري سي بور دير كو سي اون روم اي جو في باسي لو كورون هذا مكان ابخي وين عندي 1 جو في ديسيني ديود وين عندي 1 جو ديسين ديود وين عندي 0 جو في ريان متر Donc, toujours, vous allez reprendre la table ici. Et les déterminer ou les adresses. Est-ce que c'est clair? Des questions? Non? Madame, levez le volt. Hé, hey, c'est pour le. Oui, c'est le volt. De toute façon, tout, les exercices diro برك هكذا لي ليني كيما درت في ليكزامبل باسي داكور خلاص اون باس وي اون باس وي alors on va voir juste un petit exercice nous avons un additionneur complet à un bit qui fait l'addition entre trois variables a b et c établir la table de vérité donner le schéma de RAM et déterminer la taille de la RAM. RAM, pardon, chez RAM. Donc, je m'en ai dit un additionneur. Un de trois variables, A, B, C. Dire l'addition. Je dire la table de vérité. Ou je suis colo, toujours, les amis, les entrées. Ou les amis, la sortie, tu as la table de vérité. Les entrées, tu as la table de vérité, je suis homa. A, B, C. Voilà, les variables, A, B, C. Et la sortie à la table de vérité, c'est quoi? J'ai un additionneur. Additionneur, maintenant, il dit la somme, l'additionneur. A plus B plus C. Donc, c'est la somme. C'est la somme. Donc, la somme, mais aussi, maintenant, c'est Rani, un bit. Maintenant, c'est un additionneur binaire. Donc, il y a binaire, ou toujours le binaire, il y a la retenue. Qui manque le 1 plus 1, c'est 0, retenue 1. Donc, la table de vérité, il va sortir deux sorties, la somme ou la retenue. Je vous montre la solution. Donc, ça, c'est la table de vérité. On dit trois variables, donc on dit 8 lignes. Donc, on dit deux sorties, la somme et la retenue. 0 plus 0 plus 0, c'est 0, retenue 0. 0 plus 0, 0. 0 plus 1 plus 0, c'est 1, retenue 0. Ici, 1 plus 1 plus 0. Là, on dit une retenue. 0, retenue 1. D'accord? Par exemple, la dernière ligne, 1 plus 1 plus 1, c'est 1, retenue 1. Ça, c'est pour la table de vérité. Maintenant, la deuxième question, donner son schéma de ROM. C'est-à-dire, je vais la table de vérité et je vais faire le schéma de ROM d'Yelha. Toujours, qu'est-ce qu'on a dit? Les éminines corrigent les adresses. Le bus, le mar. Donc ici,
A ou le B ou C, huma, c'est les adresses. 00, 01, 010, 011, ça c'est les adresses. Donc on va les mettre A, B, C. Donc le décodeur ici, chhal la taille dialo. 3 fois 8. 3 fois 8. 3 fois. Voilà. Donc 3 fois 8. Maintenant, donc ici, les sorties, on dit 8 sorties. Et les colonnes, je parle d'une colonne, on dit 2. C'est S et R. Donc, c'est S, ça c'est S et ça c'est R. Après, win on dit 0, je ne vais rien mettre. Win on dit 1, je vais mettre le signe de diode. Donc, qu'est-ce que je comprends? Qu'il y a tout le convenu une table de vérité. Toujours les entrées, huma les adresses, voilà, huma les adresses, et les sorties, huma les données, huma l'indiru fihum diode. Il faut retenir ça. La table de vérité, les entrées, c'est les entrées du décodeur, et les sorties, c'est les données de la RAM. La dernière question, qu'allez-vous appeler? J'ai oublié la question. Déterminer la taille de la RAM. La taille de la RAM qui fait chargera. Toujours, c'est le nombre. Il y a RAM M.N. Toujours, la RAM, c'est quoi? C'est le nombre de lignes fois le nombre de colonnes. Donc ici, le nombre de lignes, c'est combien? 8. Oui. Très bien, 8 lignes. Et le nombre de colonnes? 2. Voilà, donc c'est une ROM 8 fois 2. Hagda et les exercices à les ROM. Toujours Hagda. Table de vérité, trosmo schéma, ou kouloukoum, atoli la taille de la ROM. C'est clair? C'est clair, madame. Très bien. Après, j'ai dit qu'il existe d'autres types de ROM. Donc, comme juste à titre d'information, Kain Péron programmable. Ou je m'en programmable, elle peut être programmée une seule fois par un utilisateur grâce à un dispositif appelé programmateur de PROM. C'est-à-dire, on va utiliser un programmateur, on va dire le programme, on va utiliser le PROM, parce qu'elle est programmable. C'est-à-dire, on va utiliser un programme. Ou on va EPROM, EPROM, c'est-à-dire, elles sont effaçables, c'est-à-dire on peut le contenu, on programmer, ou on peut effacer le contenu, ou on peut rajouter le programme qui fait effacer le contenu, ce qui joue donc les fusibles, tu as les diodes, ils jouent les UV, donc ils font ce dehors, puis ils programment. Donc ça vous concerne pas. Le cours, on va se limiter uniquement les ROM qui représentent les circuits combinatoires. Le circuit combinatoire, à quoi le bel comme plusieurs entrées, plusieurs sorties. Qui m'aidera à l'exemple. Donc, ça ne vous concerne pas. Donc, juste un dernier exercice. Réalisez un comparateur de deux nombres sur deux bits, chacun à l'aide d'une ROM. Donc, on a un comparateur. C'était un exercice CRI. On a A1. A0, B1, B0, donc il va comparer A1 à A0, B1, B0. Lesquels kif-kif, la sortie c'est S, I et E, égalité inférieure et supérieure. Donc voici la table de vérité d'Yalo, A1, A0, B1, B0, ça c'est les entrées, et S, E, I, c'est les sorties. Qulou lintouma, chhel l'espace d'adressage, le mar ici, je vais faire une bit. Oui, vous êtes là? 4? Oui, 4, pardon. Nous avons besoin de 4 bits pour le décodeur. Voilà, parce que Alesh, on dit 4 entrées. A1, A0, B1, B0. Maintenant, les données, je connais Homa, les données t'as le ROM. 3. S, E, I. Donc, comme on dit, 4 entrées. Donc, décodeur d'Ali, je sais qu'on fait. 4 fois combien? 16. Fois 16.
Voilà, donc راح تخرج لي 16 ليني. دونك لا روم شحال لا طاي ديالها؟ 16 très bien. La rome d'Yana, c'est 16 fois 3. Donc ici, je n'ai pas dessiné le schéma, mais juste 16 fois 4. Et j'ai dit que Hado, c'est les entrées du décodeur et SEI, c'est les lignes de données. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui ou non? Oui. Donc, هكذا كملنا chapitre. Donc, on a fini notre premier chapitre. Notre deuxième chapitre, pardon. C'est bon? Donc, fait l'espace, fait le chapitre 2. Donc, on a la RAM. On dirait l'extension. Et on a le RAM, c'est le principe. Le troisième chapitre, il n'est pas long du tout. Normalement, déroule une seule séance. Alors, comme maintenant. Justement, on a habité le chapitre. Pourquoi? Parce que mercredi, j'ai habité dire que le TD. Parce que le TD fait bzaf hwayej ddad. Donc, il faut le faire en présentiel. J'ai pas voulu le faire en ligne. Donc, mercredi, inshallah, on va faire 2 heures de TD. Et l'autre mercredi, on va faire une interrogation et le reste du TD. On va faire en ligne, on cumule le chapitre 3 une seule séance et on va faire son TD aussi une seule séance. Normalement, ça suffit. Oui. L'interro, c'est le chapitre 2 avec son TD. C'est-à-dire comme le chapitre 1 plus son TD. Et le chapitre 2 plus le TD. La deuxième semaine. Qui fait c'est la deuxième, le 2 juin. On a mercredi, le dernier mercredi, le 2 juin. Ah, ok. D'accord. Les examens seront programmés normalement pour le 19. Donc, on a le présentiel, il y a 2 séances en ligne. Donc, on a le chapitre 3 plus la série 3. D'accord. Donc, ce soir, nous battons comme la série. Donc, si vous voulez la préparer pour mercredi. Donc, Kane, oui, je te dire où la série. Ou Kane, des trucs, donc je vais les expliquer moi-même, TD. D'accord, c'est bon. Là, c'est le chapitre 1, donne assez d'exercices. Je vais vous dire,